le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un serment où il avait le doigt bandé à cause d'une piqûre de scorpion. Il dit: vous dites qu'il n'y a plus d'ennemis, mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que vienne Jouj et Majouj, Gog et Magog, au visage large, petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque colline. Leurs visages seront semblables à des boucliers martelés, rapportés par l'imam Ahmad. Qui sont Gog et Magog? Accrochez-vous s'il vous plaît, car le thème est très important. Ils sont de quelle nature? Nature humaine. Ils font partie des descendants de Adam et de Hawa, d'Adam et d'Ève, alayhi bassalam. Parmi ce qui prouve qu'ils font partie de la descendance de Adam, qu'ils sont donc des fils d'Adam, on a ce hadith. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya'juj et Ma'juj, donc Gog et Magog, sont de la descendance de Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc là déjà on a une petite description de ce peuple, c'est des destructeurs. Des destructeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été placés derrière la muraille. On le verra après, Saint-Chamon. Quant à leur description faite dans les hadiths, ils ressemblent aux gens de leur catégorie parmi les Turcs mongols. Petits yeux, petit nez et fin, cheveux roux, visage large, tel un bouclier martelé, ressemblant aux Turcs et leurs semblables. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir dans An-Nihaya. Voyons ensemble le détail de l'histoire de Gog et Magog et du roi Dhulqarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dhulqarnayn et de cette muraille qu'il a construite pour enfermer Gog et Magog. Donc voyons un petit peu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, versets 83 à 99. On va voir les principaux versets qui concernent cette histoire. Et il t'interroge sur Dhulqarnayn, un roi qui était croyant, pieux et fort, qui a gouverné avec la justice. Et il t'interroge sur Dhulqarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Allah tabaraka ta'ala est celui qui accorde la puissance. Allah tabaraka ta'ala est celui qui élève. Allah azzawajal est celui qui rabaisse et humilie. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donc accordé la puissance. Et Allah azzawajal dit, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire qu'il lui a accordé les causes pour pouvoir gouverner. Il suivit donc une voie. Puis, je passe quelques versets. À la suite, toujours dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, il s'agissait de deux montagnes qui se font face. D'accord ? Deux montagnes qui se font face. Dès qu'il arrive à cet endroit, bon, où se trouvent ces deux montagnes ? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, donc les deux montagnes qui se font face, il trouva derrière elles des gens qui ne comprenaient presque aucun langage. Ils dirent : Ô Dhulqarnayn, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, font des ravages sur terre. Ils font des ravages sur terre. Des destructeurs. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut, un salaire, pour construire une barrière entre eux et nous? Vous suivez jusque-là?
Il dit, donc ça c'est Dhulqarnayn, ce que mon Seigneur m'a conféré, m'a attribué, vaut mieux que vos dons. Par contre, il va leur dire quoi ? Aidez-moi donc avec force, et je construirai une muraille entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, une quantité immense de fer. D'accord ? Pourquoi ? Pour boucher l'espace qu'il y a entre ces deux montagnes et bloquer Gog et Magog. Puis, lorsqu'ils eurent comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « soufflez ». Soufflez, c'est-à-dire allumer un feu. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus ». D'accord ? Donc, il combla l'espace des deux montagnes en utilisant des blocs de fer. Il versa ensuite du cuivre fondu et cela devint une barrière solide. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. On voit ici que la muraille est super solide. Ni ils arrivent à l'escalader, ni à lui faire une petite brèche. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. C'est-à-dire que ce sera ramené au niveau du sol. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme des flots les uns sur les autres. C'est-à-dire quand cette muraille disparaîtra, là, ils vont arriver et ils vont remplir la terre et la corrompre. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Voilà ce qui est cité dans le verset de Sourate Al-Kahf. Ces versets indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoyait Dhulqarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense muraille, empêchant Gog et Magog, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. C'est bon ? Mais quand viendra le terme fixé et que l'heure approchera, cette barrière se brisera. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog sortiront à grande vitesse et à grand nombre. Aucun humain ne pourra se dresser face à eux.